Salut Hello. tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Voilà, on a été se promener tantôt, et enfin cet après-midi. Et du coup, on a acheté 2-3 bagnoles. 2-3 bagnoles, Oui, bien moi déjà on a acheté une, alors on a acheté deux, trois. Hein. sûr. 2-3 babioles, pardon, pour moi. Une pour l'anniversaire de mon beau-père. Ensuite. Oui, c'est bon en fait. Des choses pour la maison, et c'est surtout qu'en fait à la base on allait à la bibliothèque et qu'on voulait pas rentrer de suite. Alors, on n'a pas été longtemps à la bibliothèque, et on était sur une place payante en plus, donc même avec le rodateur on avait une demi-heure, mais voilà, on savait ce qu'on venait chercher, on n'a pas voulu s'encombrer de trop avec trop de livres, donc voilà, on a pris deux exemplaires de chaque, on vous les montrera après si ça vous intéresse. Donc voilà, on est allé à la bibliothèque et puis après voilà, on voulait pas rentrer. En plus moi, vu que je suis à moitié malade, je sors pas beaucoup. Donc là, je voulais profiter à sortir. Et donc du coup, on est sorti et on va vous montrer ce qu'on a acheté. Alors, il y a du Action et du Kiabi. Et du Auchan aussi. On va commencer par Auchan. Le plus gros. Premier Voilà. article, bébé, maman. Voilà. On ne voit plus. On me voit, on me voit plus. On me On voit. voit. On voit plus. On me voit. On voit plus. Donc un coussin d'allaitement. Alors à la base je voulais acheter celui de chez Leclerc. Enfin grossesse allaitement, vous avez compris. Tu peux le poser, hein. Oui, ouais, voilà. Et donc je voulais acheter celui de chez Leclerc, mais vous m'avez dit qu'il n'était pas terrible. J'avais prévu d'acheter celui de chez Amazon à 40 euros. Sauf, enfin 44, sauf que je me dis en fait, si j'ai moyen d'avoir un magasin, parce que ça me fait chier de commander sur internet. Oui, puis t'as pas, tu peux pas tester la texture et tout Bah c'est ça. ça, puis les prix c'est pas les mêmes. Hein. Je vois sur Amazon, enfin là je vois j'ai gagné 15 euros sur ce coussin-là. Hein, donc voilà, là on était chez Auchan, voilà, on voulait voir parce qu'on avait des petits bricoles à acheter, et du coup on a acheté chez Action parce qu'on n'a pas trouvé chez Auchan. Et maintenant, voilà, ce qu'on fait quand on va dans les magasins, c'est qu'on va obligatoirement dans le rayon bébé. Moi, je suis attiré automatiquement Oui, maintenant. Hein. non mais c'est bien. Et du coup, voilà, on a trouvé ce coussin-là. Au toucher, en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'il a l'air de reprendre sa forme. Il est bien ferme. Ouais, donc en fait, ça a l'air d'être aéré. Enfin, ça, au toucher, ça me paraissait bien. Donc après, moi, je vais pas chipoter, voilà, même s'il est pas bien. Enfin. Mais voilà, au toucher, il me paraissait reprendre sa forme. Il a l'air bien, bien, ouais, ferme. Donc on va voir. Et du coup, on l'a payé 30 euros. 30 euros. Voilà. Alors qu'à la base, sur Amazon, j'en avais pour 44 balles. Donc voilà, avec un petit design très sympa. Pareil, ils avaient à côté les matelas du même design. Et puis voilà, au champ, c'est pas. Au champ baby, je sais pas ce que ça vaut. Mais ils ont un bon choix aussi niveau article de puriculture, donc à voir. L'avantage c'est qu'il est déhoussable donc Oui, c'est déhoussable, donc lavable. bon je pense que maintenant ils sont tous plus ou moins faits comme Oui, ça. c'est ce que je disais, ouais. Vous m'excuserez si j'ai la voix qui déraille un peu, je. Voilà, c'est le rhume est retombé sur les bronches, c'est compliqué. Sans ceux qui ont suivi les stories Et puis ça se voit, je sais pas si on voit d'un. bien à l'image, j'ai encore le nez un peu irrité. Donc ensuite, c'est Kiabi. Alors Kiabi, voilà, on n'a pas acheté grand-chose. C'est le premier magasin qu'on a fait. Et on regardait par rapport aux habits de grossesse. Et oui, surtout ça. Bah c'était oui, surtout pour ça qu'on Ouais. était de base. Et en fait, il n'y a que dalle à ma taille. Donc j'ai pris un pantalon. Mais le truc c'est que voilà, pour l'instant j'ai pas pris de ventre énormément. Donc ce qui est pantalon grossesse avec l'espèce de bande ouvrière élastique là, je peux pas pour l'instant les mettre. Donc j'en ai pris un qui a l'air de le faire un peu style legging. Parce que c'est pareil pour l'instant, il faut que je privilégie. J'ai un truc, oui. Tout ce qui est legging, pantalon élastique, c'est surtout en fait des pantalons que je cherche pour l'instant. Parce que des pantalons à boutons me gênent. J'ai pas pris du coup beaucoup de ventes pour l'instant, j'ai quasi rien, j'ai juste une petite bouée dans le bas, mais voilà, je suis pas à l'aise quand j'ai des boutons, en fait quand je m'assois ça m'écrase, hein, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, je tourne à deux pantalons en ce moment, et là je vois le legging que j'ai sur moi, il commence à s'abîmer, il y a des petits trous, donc voilà, j'allais reprendre des leggings, etc. Puis on est tombé sur celui-là,
Donc c'est un, ouais, un petit pantalon style legging, donc à ma taille, hein, avec une bandoulière, mais qui est pas trop grand, non. Enfin, ou taille standard, mais je sais pas, sur le moment, Après, c'est pareil. élastique, hein. Oui, et puis, enfin, à voir, mais voilà, ce qui nous a bien plu, ce qui va changer un petit peu, c'est la texture, en fait, c'est nervuré. Ça a changé un peu des leggings classiques. Alors, il n'y avait pas, je vous dis, notre Kaby, il n'y a rien. Et Gémeaux non plus. Bon. Voilà, déjà pour moi, Gémeaux, il n'y a rien. Donc, même en grossesse, j'ai pas envie d'aller voir. Je sais que vous m'avez conseillé aussi Gémeaux. Mais il En tout cas, note. n'y a que dalle. Mais ouais, c'est vrai, parce qu'il y avait des trucs sympas à Il y Kaby. avait des Même jolies robes marinières. de robe pull, ouais, il y avait un pantalon, c'est pareil, mais alors un peu imitation cuir Ouais, cuir. qui fait un peu pantalon soirée. Donc voilà, j'ai pris ça à voir si ça le fait ou s'il faut que j'attende avant de le mettre. Mais Ou après, c'était d'allaitement oui, sinon c'était aussi. des hauts spéciaux allaitement, mais je vais pas l'aider. Oh, je pense que ça devrait le faire. J'ai dû vendre quand même de base. Ça va pas soutenir mon ventre de grossesse, mais ça Bah, soutiendra mon gras. tu auras une avance. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Au pire, voilà, s'il faut que j'attende avant de le mettre, mais bon. On verra bien, je vous redirai. Mais c'est dommage parce que là, Kaby, ils ont installé les collections d'hiver, ils déstockent des trucs, mais bon. Bah, y a rien de non. Puis de toute façon, là, ils déstockent les collections d'été. Bah, c'est ça, c'est qu'ils dégagent tous les trucs d'été et y a rien. Je me suis repris des chaussons. Voilà, parce que l'hiver, je tourne aux chaussons et l'été à la tatane. Et vu que là en plus, ouais, du coup, je suis malade, il me faut du confort, il me faut du chaud. Vu que j'ai des panards du 42, je vais souvent chez les hommes pour mes chaussons. Parce que chez les femmes, il n'y a que dalle en 42. Et là, je me suis dit, tant qu'à l'état qui habille, je vais prendre. Voilà, j'ai pris une paire toute basique de chaussons pour hommes gris. Il y avait bleu foncé avec des comment on appelle ça, des coutures marron, enfin des, je sais plus comment on appelle ça, Les ouais, des, c'est ça, marron, mais ça me plaisait pas, donc j'ai pris les gris des chaussons. C'est des chaussons, que ce soit pour hommes, pour femmes, enfin là ça fait mix, Ça hein. parle pas. Gris c'est mix, hein. Donc et dedans il y a du pilou, donc je pense que je vais être bien. J'ai déjà pris ceux de chez Kiabi, ils avaient pas fait longtemps parce qu'il y avait pas de semelle. C'était pas la distrib. Non, c'était Kiabi sur J'ai le vu, site ouais. internet. Ah oui. Ouais, j'avais commandé sur internet, Oui. j'avais acheté un jean magnifique, mais pas bête. Et non, là, il y a l'air d'y avoir de la semelle. Donc, après, moi, de toute façon, j'ai de pied tellement fort, mes chaussons, ils font un hiver. Hein. Je vois ceux que j'ai, voilà, ils Ils sont sont pas beaux, faits pour l'hiver. mais bon. Non, j'ai les pieds tellement forts, je traîne du pied. Les chaussons, je suis bonne à acheter de vous les. Donc voilà, là j'en ai Après, repris. c'est pas comme si c'était un gros investissement non Non, je plus. prends toujours des trucs pour hommes, ça vaut que dalle. Donc voilà, là 7 euros, Oh, une puis dans grosse ces période. magasins-là. Ouais, donc à voir si dure dans le temps, mais je vous dis, je traîne tellement les pieds que. En général, oui, il me faut un hiver, pas plus. Donc là, bon, d'ici que la vidéo sorte, bah, je pense qu'on sera sûrement le lendemain de son anniversaire, mais voilà, mon père est du 15 octobre. Donc ma mère m'avait dit il y a quelque temps ça que. Parce qu'on se concerte entre nous pour les cadeaux, parce qu'on sait plus quoi offrir au bout d'un moment. Et là, elle m'a dit, ton père veut un Le pyjama long pour l'hiver, parce que en fait l'année dernière. C'était un pyjama court, voilà, d'été. l'été. Parce que mon père, voilà, jusque-là, ne portait pas spécialement de pyjama pour dormir. Maintenant, il s'est mis au pyjama. Donc ma mère m'a dit, bah, ton père, il voudrait bien un pyjama long. Et je sais que la dernière fois, on avait déjà été à Kaby. Et là-bas, ce qui est bien, c'est qu'ils font des ensembles Ouais. et qui coûtent que Que dalle, dalle. ouais. Franchement, c'est valable. Et là, bon, on a trouvé donc, du coup, un ensemble. Heureusement que tu étais là parce que moi, j'étais partie à croire que c'était que des shorts alors qu'en fait, c'était des pantalons qui étaient Ouais, parce pliés. qu'ils étaient pliés. Donc, il y a le. Voilà, il y a le haut comme ça en kaki. Ouais, kaki. Ouais, kaki. On essaie de prendre un style qui lui va à peu près parce qu'après, bon, il est pas difficile, mais je sais Non. qu'il y a des trucs qui lui iraient pas forcément. Genre là, il y avait des styles écossais. Non. Et donc, un bas. Moi, Comme j'ai ça, gris, gris, du coup, gris anthracite. ouais.
Je crois que la dernière fois, il y avait pris. Il y avait le Oui. short gris clair et le t-shirt bleu Oui, marine. il me semble, ouais. Un Ouais, il truc me semble comme que c'était ça, ça. Et ouais. ouais, c'est des trucs qui vont bien lui aller. Donc on est content du coup, on a sauté sur Bah, l'occasion. tant qu'elle est sur place, ouais. Ce qui va pas l'avoir tout de suite, Ouais. mais au moins comme ça on l'a. Et ouais, 12 euros l'ensemble, franchement, c'est pas dégueu quoi. Parce que ça pourrait être 12 euros une pièce et 12 euros l'autre, mais Non. non, là, Non, c'est ça pas c'est mal. plus pour les autres vêtements, les pulls, les Ouais. pantalons en général. Parce que après Kiabi, ils vendent juste les bas. Mais ouais, vaut mieux prendre un ensemble, quoi. C'est plus pratique. Donc je pense qu'il va être satisfait. Et puis là, il fait pas encore trop froid, donc un Bah non. pantalon, enfin, pyjama comme ça le fait Et parce puis que. mes parents, ils habitent le dernier étage d'un immeuble qui est bien, comment on dit, Isolé. isolé. Il fait Donc il chaud, fait ouais. facilement lourd dans leur appartement. Donc au final. Et puis ils ont chauffage. Bon, ils peuvent rêver comme ils veulent, mais en général, c'est bien chauffé. Donc ça, c'était pour Kaby. Donc maintenant, action. Donc il y a plus de trucs. Alors action, on s'est fié à une liste qui traîne Depuis depuis longtemps dans le sac. Et à chaque fois, en général, quand on fait ces magasins-là, on repense à des trucs qui n'étaient pas forcément notés. Donc, là, pour commencer, nous avons. Voilà, les fameuses caisses en plastique à roulettes hein, que tout connaît. En général, ça dépanne bien pour ranger évidemment. Donc là, on en a en fait sous le lit. Parce qu'on a l'avantage d'avoir un lit où on peut mettre en dessous, ouais. caser des caisses comme ça. Caisses à roulettes, c'est encore plus pratique. Donc bon, sous le lit, on a toutes sortes de choses dans les caisses. Mais donc on s'est dit, on fera du tri, mais on va au moins en racheter une. Parce que, en fait, on a une petite commode dans la chambre. La commode qui sert pour l'instant pour le linge de lit, donc les draps, les mousses et tout ça. Mais là, la commode, on va se la réserver Pour bébé. pour les affaires de bébé. Donc j'ai dit, au pire, les draps, les mousses et tout ça, ce qu'on va faire, on va les mettre sous le lit Dans dans les des caisses en caisses. plastique. Comme ça va permettre de. Pas de baiser encore parce que la commode elle commence à faire la tronche parce que ouais ça je pense que ça va être plus accessible. Déjà sous le lit on a les têtes d'oreiller et les têtes de traversin. Et comme ça voilà, on aura tout en dessous, ça sera plus pratique. En plus avec l'action elle va coûter 6 € celle-là. Donc c'est potable. C'est Non, potable. puis même après, pardon, je te coupe, mais pour le déménagement aussi, ça va Oui être plus aussi c'est pratique. plus pratique. Ouais. Pour le transport, tu peux empiler et tout. Ah, bah, on est spécialiste des caisses, nous. Ah, Les puis caisses, les paniers, l'empilage. Tetris, on va faire. Et ça, oui, on a aussi des petits rangements en tissu, là, pas en tissu, où on met toutes sortes de trucs dedans. On a les grosses caisses en plastique, ça, c'est pour les décos de Noël. Ah, ouais, on essaie de faire au mieux. Oh, zut. Alors. Alors, j'ai repris des petits coins de chez Febreze. Ça, voilà, j'en mets un dans la chambre, un dans la cuisine et un dans la salle de bain. Ils sont vides, voilà, ceux que j'ai. Et ça se mange assez vite quand même. Mais je les aime bien. Voilà, l'autre 3 comme ça coûte moins cher que 3 individuels parce que on a remarqué qu'il y avait un nouveau parfum. Ça sentait super bon. Mais un individuel x3, ça coûte plus cher que 3 directement en lot. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas cherché. Je prends toujours le lot. J'aime bien l'odeur, je m'en lasse pas. Donc, puis pour l'utilité. Donc voilà, là je vais pouvoir les remplacer. Et puis voilà, normalement c'est pour les toilettes. Moi je m'en sers de désodorisant dans chaque pièce. Enfin, tu dis pas que c'est pour les toilettes, on ne sait pas. Donc voilà, moi j'en mets dans les pièces où j'estime qu'il y a besoin d'un peu d'assainir l'air. Parce que dans les toilettes, on a des bombes spray. Donc ça sert à rien d'en mettre dans les toilettes. Et puis les toilettes, elles sont jamais mauvaises. Enfin, il n'y a pas d'odeur persistante. On les entretient minimum. Donc voilà, éveil printanier, petit coin Febreze de Lénore. Voilà, vous les avez déjà vu passer. Hein. Ensuite, nous avons repris un joli diffuseur bâton.
Alors, en fait, il nous faisait déjà de l'œil, mais on a pris un petit modèle. Là, on a, voilà, on a sauté sur celui-là, il n'y avait plus grand choix. Il y avait même plus celui qu'on avait pris à l'info. Ah ouais, le serveur il s'ouvre, Ouais, les le diffuseurs un peu diffuseur, tout. ça bouge. Ouais. Et du coup, là, c'est Floral Dreams, Blooming Fragrance, Sweet Morning, avec mon accent anglais. Oh le morning. Morning. Et ça sent pas mauvais, du tout, ça sent très. Ça sent pas trop fort. Ça sent frais, ouais. Et la boîte est magnifique. Alors, le fond. Du coup, je sais pas, ouais, c'est la bouteille ou le Non, fond. c'est le fond de la bouteille. Ouais, il y a des fleurs, c'est trop classe. Donc, ça va être pour mettre dans l'entrée. Ça, Sur notre plateau. ouais, ça c'est pareil. Sur. J'aime bien avoir des parfums comme ça. Je trouve ça très cocooning d'avoir des diffuseurs bâtons. Et là en plus, c'est un grand modèle, c'est un 80 ml. Donc, je pense qu'il va me faire un peu plus longtemps parce que le dernier. Le tout petit, en fait, à peine j'ai mis, qu'à peine il s'est vidé, quoi. Donc, enfin, même en retournant les bâtons, je l'ai vu se vider à une vitesse. Enfin, il n'y avait que dalle dedans. Il était rempli à moitié, je crois, en plus. Donc voilà, là, j'ai pris le grand modèle. Et puis, en espérant qu'on le retrouve, parce qu'il est archi chouette. Et après, il en restait plus qu'un derrière. Alors, moi, je voulais reprendre ce spray. Alors, ceux qui vont régulièrement chez Action, je pense que ça va vous parler. Et on avait déjà pris un modèle comme ça. Alors, c'était le rose, c'était Multi-usage. multi-usage. Mais en fait, il servait principalement Pour la dans la cuisine. cuisine. Donc, là, comme il n'y avait plus le rose multi-usage qui restait cuisiner et salle de bain. On a pris cuisine. On a pris cuisine donc au citron et au poivre noir. Oui. Donc, à voir ce que ça donnera l'odeur, mais bon, après. Oui, ils sentent bon ceux-là. Ouais. Puis j'aime bien, ça nettoie bien. C'est une valeur sûre. Ouais. Il y a du chou en produit. De cette marque-là, ouais. Mais même en spray. Oui. J'étais. Au début, j'étais même prêt à prendre la marque qui fait les bicarbonates et tout ça, là, qui fait le fiel. Ah oui. Parce que c'est des sprays dégraissants. Ouais. Et non, celui-là j'aime bien. Et puis j'aime bien le packaging et tout. Oui, il est joli. Ouais. Et moi, ce que j'ai fait avec la dernière, c'est que quand en fait, enfin la dernière, elle est arrivée à moitié, j'ai rempli moitié eau, moitié produit en fait. Et ça m'a duré encore plus longtemps parce que ça, Oui. c'est hyper concentré. Hein, vous pouvez le diluer facilement. Je vois pareil sur TikTok, il y en a, ils s'amusent à le diluer pour les nettoyages voiture. Pour vous dire à quel point c'est efficace. Voilà, vous pouvez très bien prendre ça pour nettoyer votre voiture. Donc, non, mais ouais, je vois. Parce qu'en plus, là, je sais pas si je suis là avec la grossesse, je vais le tolérer. Parce que l'autre, heureusement qu'on l'a fini, je pouvais plus me le voir. Même dilué, ça sent très fort. Ça sent bon. C'est des huiles essentielles. Ça Hein. sent bon, ouais, mais c'est fort. Et là, du coup, en plus, vu que c'est Mickaël qui, en principauté, nettoie à chaque fois le comptoir, la desserte. Voilà, là, il n'y aura pas de problème avec ce qu'il utilise, même moi après, hein, mais. En principauté. Ça y est, on est à Monaco. Bah, vous avez compris, quoi. Mais ouais, ils sont très bien. Hein. Vous les voyez de partout, de toute façon. Mais chez Action, les produits d'entretien, Ouais, ils sont bien. ça coûte que dalle, mais ça fait le taf, quoi. Pour ça, beaucoup achètent là-bas. Hein. Mais ouais, celui-là, à chaque fois, en fait, qu'on a l'Action, c'est limite, je voulais pas m'acheter un spray. Donc. Parce qu'ils attirent l'œil, hein. Et encore la dernière fois, ils étaient en tête de gondole, donc c'est encore pire. Ensuite, on a repris du vinaigre. On a pris une petite bouteille, parce qu'il y avait les Les bidons. bidons. On a repris une bouteille, parce que là, en fait, moi, je suis pas très vinaigre. Ça, je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos. D'ailleurs, j'ai plus ou moins une petite allergie On venait, au ouais. vinaigre. Mais là, en fait, c'est pour les toilettes. Alors d'ailleurs, on en a parlé dans le retour de course précédent, pour déboucher les toilettes. Puisqu'il y a la technique de mélanger du vinaigre, du bicarbonate dans l'eau chaude. Donc j'aurais testé si vraiment ça fonctionne bien. Et Devinez. on n'avait plus de vinaigre. Mais même pour l'entretien de la cuvette et tout, Ouais. c'est efficace ce vinaigre. Oui. Bah ça fait tout Ça et détartre, ça blanchit, ça fait tout. Même pour les carrelages de salle de bain et tout ça. Et là, du coup, il a l'eucalyptus. Il y avait l'eucalyptus et il y avait la lavande. Donc là, c'est l'eucalyptus. Mais en fait, ça fait comme bio. C'est Biovie qui fait aussi l'eucalyptus. Donc on testera, on verra ce que ça donne. Croyez pas que nos toilettes sont tout le temps bouchées, c'est Non. pas le gars.
Non. Là, c'est de l'avance. On prend aussi, voilà, par précaution. Hein. Vaut mieux être prévoyant. Hein. Alors, dernier article de chez Action. Un bacalage. Un bacalage, parce que on a deux bacalages. On en a un pour ramasser le linge sec, enfin, qui sort de la machine, et un pour le linge à repasser. Ouais. sauf que celui qui sert pour sortir le linge de la machine est cassé. Il commençait à faire la tronche, voilà. Ouais. Et sachant qu'il est pas très rigide en fait, c'est un plastique. C'est ouais, appuyé dessus, le truc il sort quoi. Donc là, voilà, quand on a pris notre caisse en plastique à roulettes, j'ai repéré au loin. Il y avait deux sortes de paniers. Il y avait justement du bien rigide, comme ça, et puis l'autre, justement, qui se. Enfin, où t'appuies dessus, le truc. Oui, il est un peu plus fin quoi. Et en plus, c'est vrai que j'aime bien le design, ils sont chouettes. Ah, les autres, c'est ce que je disais, en fait, il y avait noir ou blanc, et on en a déjà acheté, c'est celui qu'on a déjà, en fait, vient de chez Action aussi. Et je lui dis, mais est-ce que je reprends le même en noir, admettons, ou... Et du coup, non, il a craqué sur celui-là, et je crois que c'est de la marque, hein, mais c'est Curver, c'est de la marque, en plus. Et il coûtait pas cher, hein, il coûtait dans les... Ben, j'ai la note là, 5,49€. Ouais. Alors franchement, pour un Curver, c'est réjoui, c'est un truc bien... Bon, bien sûr, il est comme Chewbacca. Ouais, il est pas... Mais c'est surtout les poignées, quoi, parce que c'est... Les poignées, ouais. C'est ça qui a cassé sur l'autre, en fait, le panier gris qu'on a pour le linge qu'on sort de la machine, tu l'as depuis que je te connais. Enfin, même voir avant. Tu t'es toujours connu avec. Mais je crois que c'est la mère qui me l'avait acheté, en plus. Et du coup, là, il a fait son temps. En fait, les poignées, elles ont pété. Et à chaque fois, je lui disais, mais faut qu'on en rachète un parce qu'on va se pincer avec, on va se blesser. Et non, mais ça peut attendre. Et puis la dernière fois, il a failli péter entre les mains. Et il a failli péter entre les mains. Là, c'est bon, il a racheté un panier. Du coup. On va pouvoir lui dire adieu. Mais il a fait son temps. Hein. Ouais, quand même. Ouais. J'ai pris gris-cœur parce que je trouvais ça des. Ouais, c'est gris-bleu, c'est joli. Ouais. Non, puis c'est ce qu'on disait, il est légèrement plus profond que celui qu'on a. Légèrement, oui. Ou plus carré peut-être, je ne sais plus. Plus carré, oui. C'est à 47 litres. 47 litres, oui. Donc c'est vrai que pour le. Bah, on a beaucoup de linge. Non, parce que c'est une. 7 litres notre machine. 5. 5 kilos, pas. Oui, litres. Enfin, c'est une petite machine. Oui. C'est vrai que nous on essaie de pas trop la blinder mais de mettre beaucoup de linge quand même pour passer Mais quand on lave le gros linge, donc ce que j'appelle le gros linge, c'est les parois de lit, les nappes, tout ça, ça peut être plus volume. Ou là qu'on va arriver en hiver, ça va être des sweats, ça va être des pulls, donc ça prend de la place. Volume aussi, ça fait du poids, donc c'est peut-être là le bon moment de réinvestir dans un panier à linge. Donc voilà, petit alors, sujet par rapport au haut, là, parce que là, c'est pas des bouquins qu'on a achetés, bien sûr. On a été à Bibelot. Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été, et là, on voulait y retourner. Ah. Donc moi, je me suis pris deux romans. Et toi, tu voulais emprunter des livres sur la grossesse. Ouais, et pareil, j'ai pas. Faudrait que je regarde en détail la prochaine fois, mais là, j'étais vraiment pas bien. C'est des livres sur tout ce qui est enfance et tout, mais je pensais que ça allait être à côté, j'ai pas trouvé. Enfin. Il y avait tout ce qui était cancer des yeux, enfin c'était une espèce de truc santé là, et il y avait les yeux, il y avait la tête, enfin tout un truc, et j'ai pas vu, même pour l'alimentation il y avait rien, ou alors j'ai pas regardé, j'ai pas bien fait gaffe, mais puis les livres, sur la grossesse, ils se ressemblent tous plus ou moins, je trouve. Après j'en ai pris deux quand même qui avaient l'air... Des fois que je trouverais pas les mêmes conseils d'un livre à l'autre. Donc j'ai pris de René Grossard, Enceinte, tout est possible. Voilà. La quatrième de couverture. Pareil, si vous voulez des avis, je vous redirai. Donc là, c'est des témoignages, je crois. Non, ça fait limite presque roman. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Une enquête féministe drôle et décalée qui détruit les légendes, qui déconstruit, pardon, les légendes sur la grossesse à l'heure de la génération Y. Voilà, c'était ce point de vue-là que j'ai bien aimé.
Et l'autre, excuse-moi, les parents imparfaits, votre grossesse de Candice Kornberg, Kornberg-Hensel et Camille Skrinski. Excusez-moi. Voilà. Donc, pareil, là, c'est un livre sous forme de C'est plus BD. illustré, hein. Et enfin, voilà, il y avait des trucs. Il y a des trucs, voilà. Hein? On s'est compris? Voilà, c'est à peine j'ouvre le livre, je tombe sur ça. Ok, bon. Alors, je pas. Même ça se montre pas. Mais voilà, c'est. Ça se fait beaucoup maintenant, les livres illustrés comme ça, façon BD, un peu féministe. Féminin. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est pareil, vous avez un résumé derrière. Et ils disent des textes informatifs, des dessins hilarants, des listes astucieuses, des mots fléchés instructifs, des SMS plus vrais que nature, des hashtags tordants. Donc voilà, je les lirai et puis je vous redirai ce que j'en pense. Mais c'est assez facile à lire ce genre de bouquin. Et puis voilà, selon comment c'est écrit, là pareil, il y a des petits. Petits encarts et petites illustrations. Ah, je vais pas réussir à la rechoper tant Mais pis. moi, je vois, il y en a qui sont pas mal des livres, c'est que ils mettent mois par mois Oui, ce qui se passe. ce qui se passe, les conseils et tout ça. C'est-à-dire que t'as un onglet premier mois, un onglet deuxième mois, un onglet troisième mois, et ainsi de suite. Mais c'est ce que je disais, j'ai pas besoin de ce genre de livre parce que j'ai mon application de grossesse. Là, je cherche juste des astuces, des conseils, des trucs que éventuellement je ne saurais pas, des façons de faire. Voilà, c'est juste histoire de se renseigner un peu et puis on verra bien. Alors, moi je me suis repris des romans et je me suis repris ma série de romans préférée, celle que je peux te dévorer d'une seule traite. Donc, c'est les bouquins de Michel Hébert, un ancien. Je crois que c'est un ancien douanier en vrai. Et voilà, qui a écrit toute une série de livres sur un douanier voilà, de notre département. Et là, donc, il y a Meurtre pour un manuscrit. Ancien, une enquête au Mont-Saint-Michel. Donc Bien c'est reçu. le. Oui. Là, ça va. C'est le deuxième bouquin qui traite du Mont-Saint-Michel d'ailleurs. Pour moi, voilà. Ça, quand ça parle du coin, ça me parle et du coup, je te lis ça. Je te lis ça en moins de deux. Parce que c'est vraiment détaillé. C'est tout existe hein, dans ces bouquins. Je veux dire, au niveau les communes, les rues et tout ça, les lieux, tout existe. Il y a que les personnages qui sont. Il y a que les personnages qui sont fictifs en fait. Ça et l'assassin habite Granville. On salue les Granvillais parce qu'on sait qu'il y en a qui nous regardent. Donc pareil, hein, enfin, toi, t'as remarqué ça tourne beaucoup autour de Granville, Mont-Saint-Michel, les îles Chausey et tout ça. Parce que au final, le douanier en question dans l'histoire est originaire de ce coin-là. Mais à chaque fois, ça tourne autour de notre département. C'est pour ça, moi T'aimes bien. j'aime bien. Là, je continue la série, il y en a encore pas mal, il en a fait pas mal du coup autour de ça. Je sais pas si à chaque fois si c'est avec le douanier en question, mais pour l'instant, je vais continuer au moins la série avec le douanier. Mais ouais, ça, pour ça, c'est ce que j'ai jamais lu des livres comme ça, des romans aussi vite. Bon, après, c'est des petits, hein, ça fait quoi, 200? Ouais, même 200, pas. 200 et quelques Ouais. pages, ouais. Mais ouais, ça se lit bien. Enfin, moi, en tout cas, je lis ça très facilement. Mais là, je me suis pas trop chargé en livre. Parce que je me suis rendu compte que les dernières fois, je finissais pas forcément les bouquins. Ou je prenais pas forcément des bouquins où j'accrochais. Je vois, la dernière fois, j'avais pris un Agatha Christie. Oui, Miss Marple. Oui, Miss Marple, j'ai ça, Agatha Christie. Non, ça moulinait, ça moulinait, ça moulinait, j'ai laissé tomber. Puis des fois, je prends des biographies. Alors, les bouquins, ils font ça d'épaisseur, laisse tomber. Un Churchill, t'en as chier. Chercher, je l'ai pas fini. Ah Je bah. sais même pas si j'ai lu la moitié du bouquin. J'ai lu, voilà, je me suis arrêté au moment où il devenait le Premier ministre de Anglais, ouais. Grande-Bretagne. Par contre, Rasputin, par exemple, il faisait à peu près la même épaisseur. Là, j'ai accroché. Après, Churchill, c'est de la politique, c'est un sujet C'est très dur. répétitif. Ah, c'est dur.
C'est très répressif. Et puis, quand tu connais pas le système de gouvernement britannique Ouais. et tout ça, c'est vrai que c'est chaud. Alors que, ouais, Rasputin, ça traite surtout aussi des empereurs russes, enfin la famille Romanov, Romanov. ouais. Et ça, par contre, ça, j'accroche direct. Puis Rasputin, c'est un gars, il avait une vie tellement. Qui partait dans tous les sens que. Enfin, tu vois comment il est mort. Bah oui. Mais ouais. Donc là, j'ai pour l'instant, je me suis contenté que de mes petits romans. On verra plus tard. De toute façon, là, on va arriver dans une période où l'hiver, t'as tendance à plus lire, je pense. Tu restes au chaud chez toi, tu t'installes, tu bouquines. Donc on verra bien. Donc voilà, on espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à nous soutenir avec vos plus beaux pouces, à partager la chaîne, la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on vous dit à la prochaine. Salut!